La Cité des Congrès, c'est avant tout un outil d'attractivité du territoire pour Nantes Métropole et un outil de rayonnement international puisqu'on a des liens avec des pays comme le Québec et le Japon qui nous permet de recevoir des grands événements internationaux. Dans tous les cas, cela contribue à la visibilité touristique de la destination Nantes Métropole. La Cité des Congrès, ça contribue à accueillir la culture de façon majeure, d'une part parce qu'elle accueille des événements, comme notamment elle reçoit l'ONPL, qui est l'Orchestre National des Pays de la Loire, mais également elle produit des événements. Elle produit des événements comme le Festival de littérature Atlantide, le premier festival de science-fiction européen, les Utopiales, mais également les éclats francophones qui mettent bien en lumière cette relation privilégiée avec l'Amérique francophone, le Québec et la nuit du jazz. La cité continue à évoluer, à se développer, à investir grâce aux technologies numériques d'aujourd'hui et de demain. D'ailleurs, en 2022, il va y avoir une extension pour pouvoir répondre non seulement aux attentes des collectivités de Nantes Métropole, mais également aux attentes et aux besoins des usagers. La cité, c'est important pour moi de vous le dire, c'est l'engagement d'hommes et de femmes, une quarantaine de métiers, qui sont là pour préparer, anticiper l'événement et faire en sorte que cet événement soit merveilleusement reçu par le public. Alors quelques chiffres pour vous donner aussi, pour vous rendre compte de cette attractivité. En 25 ans, 10 millions de visiteurs, ça fait 4 600 000 journées congressistes et 6 500 événements. C'est considérable. En 2016, 80 millions d'euros de retombées économiques, ce qui donne 867 métiers induits. Alors, les chiffres des événements en 2016, on a 152 congrès professionnels et 105 spectacles. Voilà ce qu'on a proposé aux Nantais. Aujourd'hui, un dernier chiffre pour conclure. La Cité des Congrès, c'est le cinquième site qui reçoit les congrès en France. Notre défi, d'arriver à la quatrième place. Joyeux anniversaire à la Cité internationale des congrès de Nantes.